Avant-dernier jour, on part de notre petit gîte chez Philippe et sa femme. Agriculteur, poulet, vache allaitante. Salut Philippe, merci pour ton accueil. Allez, on est parti. Les copains sont là. Ah, on découvre toute la journée, on découvre du monde. Le soir, des agriculteurs, toujours aussi passionnés. Formidable. Alors, les fermes des épinets, la ferme des épinets, ça s'appelle. Regardez ce bocage et tout, comme c'est sympa. Allez, cinquième jour, direction où c'est? Bah, je sais pas où c'est. C'est où c'est? Bah, c'est la fatigue. Et j'arrive même pas à parler, donc j'arrête pas de causer. Enfin bon, on a quand même bien dormi là, c'était cool. Fallait vraiment reprendre. J'ai au moins dormi 7 heures non-stop. Puis les paysages sont plutôt sympathiques. On a un moulin, je sais plus si ça doit être l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne. Enfin, non, l'Ille-et-Vilaine. On voit qu'on est bien en Bretagne, hein. On avait grand soleil, paf, de l'eau. Ça passe du tout au tout. Bon après, le soleil était quand même très très blanc et brillant ce matin. On a beau être à Châteauroux, en Bretagne où vous voulez, quand c'est comme ça, en règle générale, ça lance bien de l'eau. Hein. Enfin, on est passé à travers les gouttes pour le moment. Bon là, on arrive à Cron. Craon. Et en fait, on va faire le plein des tracteurs à la concession Fendt Le Sieur. Ça devrait bien glisser normalement. Voilà, avec une petite accalmie, puis une petite pluie qui arrive. Donc on suit Alex. Je vais essayer de nous trouver la concession Fendt. Ah là voilà, je la vois. Oh, elle est magnifique. Ils sont venus rien que pour nous. Aujourd'hui, pour certains, c'est Pentecôte, c'est férié. Ils nous ont ouvert. Allez, on y va. Voilà, concession Le Sieur. C'est une jolie concession. Impeccable! Eh ben c'est une concession propre hein. Et là pour le coup il savait pas qu'on venait donc à l'improviste. Station de lavage, ça me plaît ça, station de lavage. On vient de faire le plein là, des tracteurs. Pas le plein, on s'est rajouté 200 litres. Donc, dans la concession Le Sieur, c'est une base. On va les remercier quand même déjà le mécano. Merci. Alors faut savoir que Fendt, c'est plus de 7000 CDI en France. Et voilà, entre les mécanos, les vendeurs, les gens à la société, chez HCO, etc. Et donc là, on est dans une concession vachement représentative de la marque Fendt. Tous les gros sont rangés. Donc il y a le chef des ventes. Monsieur le chef des ventes. Voilà, merci de nous faire
de nous avoir ouvert les portes un lundi de Pentecôte. Pas de problème. Parce qu'on aurait été mal. Enfin, on aurait été mal, on aurait mis du blanc, quoi. C'était avec plaisir. Et un fan tamponne sur le bord de la route par manque de gasoil, c'est un peu dommage. Bah, c'est con, hein. C'est un peu dommage. Parce que là, donc, la concession Le Cire, c'est 7 bases, c'est ça? Plus que ça. Plus que ça? Au total, il y en a 11 points de vent. 11 points de vent? Alors, je me dis, si, c'est le siège social, il me dit non, non, c'est une base. Non, non, c'est une base. C'est une base, le siège social, il est basé à Mayenne. Ok. Ouais. Historiquement, troisième génération. Troisième génération. Bon, bah nous on va y aller parce qu'on n'est jamais en avance en fait depuis le début. Eh ben pas de problème, bon. Je vous souhaite une bonne route. Merci bien. Allez, au revoir. À bientôt. Bon, ici Colène. On arrive. Alors, on faut pas louper l'église, elle est en face de nous. Hein. Attention à toi, ça va se secouer. C'est bon, on dirait qu'il y a du monde qui nous attend là. Ah, tu crois qu'il y a du... Ah ouais, il y a du monde qui nous attend. C'est peut-être la gendarmerie, non? Je suis en train d'halluciner, oui, il y a beaucoup de monde qui nous attend là. Ah ouais. Non, c'est pas possible. C'est quoi, c'est la sortie de l'église? Pentecôte, mais c'est beaucoup d'honneur pour nous quand même. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a reçu un petit message d'Étienne, il est à la bourre. Il va arriver vers midi, mais pourtant il a rien à branler. Il arrive à être à la bourre quand même. Enfin, il a des robots, il a plus rien à foutre. C'est toujours le même qui parle. Tu as vu que tu t'en sentais bien, t'as bien pris ton sec. Donc voilà. Tu passes bien. C'est ta voix, va bien. Mes chers compatriotes. Non mais vraiment c'est extraordinaire. On arrive à ce cinquième jour du tracteur tour. C'est au-delà de nos espérances. Parce que nous on est devant la caméra, on sait que des personnes nous suivent, font des commentaires. On voit des messages et on découvre un peu le fruit de tout notre travail en fait en venant vous voir. Tracteur Tour en fait qui est venu d'une idée de David Gaël il y a plus de 2 ans. Et on a voulu concrétiser ça par le fait qu'en plus qu'il n'y ait pas de salon pendant un an et demi. Et on s'est dit comment on va pouvoir venir vous voir, venir à votre rencontre. Et bon, vous savez qu'il y a quand même plus d'une vingtaine d'agri-youtubeurs, on s'entend tous bien, mais là il y a un groupe d'amis avec Jean-Loup et puis Étienne. Et pour le coup c'est un événement qui est quand même assez long à mettre en place. Et d'ailleurs on remercie Ségolène, Virginie et Charles de Prodil Center de nous avoir aidés parce que là c'est quand même assez long, assez lourd en projet. On remercie aussi toutes les collectivités, les mairies dans lesquelles on s'est arrêté. On vous donnera la parole tout à l'heure. On a toujours été très bien su et on a voulu les communes rurales. Pourquoi? Parce que, Edune, on sait que quand on est conseiller municipal ou maire élu des petites communes, bah, c'est souvent eux qui font le travail sur le terrain. On a aussi pas mal d'agriculteurs qui sont souvent dans les conseils municipaux, enfin je l'espère. Il y en a un peu encore. Ah. Là je parle dans le conseil municipal, il y en a un agriculteur. Hein. Deux, bon on reste alors. Donc voilà, et en plus bah, c'est de venir à votre rencontre, discuter avec vous. On découvre aussi beaucoup d'agriculture dans tous les endroits et les secteurs dans lesquels on s'arrête. En plus, on a choisi les chambres d'hôtes adéquates. On est passé du poulet à la vache allaitante, à la vache allée. Enfin voilà, vraiment, on a vu beaucoup de choses. On le découvre nous aussi. Bon, on n'est pas des lapins de 6 semaines non plus, quoi. On sait ce que c'est qu'une vache. Mais à côté de ça, on découvre une passion du métier que vous avez tous. Et
et nous aussi. Et pour le coup, faire de la vidéo et mettre en avant le travail, parce que dans les agriculteurs, on est pas mal des taiseux, enfin, sauf Alex et moi. Mais ça nous fait plaisir de pouvoir faire découvrir la passion des gens. Il y aura un film qui va sortir derrière. Sachant en plus qu'on pensait faire cette première édition, on dit est-ce qu'on va la faire la prochaine, on va déjà voir comment ça se passe et tout. Puis en fait, le premier soir, on s'est dit où est-ce qu'on va l'année prochaine. Enfin, Ouais, complètement. Donc voilà, avant de se présenter, monsieur le maire, vous avez peut-être un petit mot à dire. On a doublé la populace, non? Moi, je suis très heureux de vous accueillir parce que c'est vrai que c'est l'occasion que l'on parle d'une petite commune comme la nôtre, partout par YouTube, par tous les réseaux sociaux. Parce que souvent, on a du mal à faire connaître nos communes rurales, justement, qui sont toutes dynamiques. Et justement, le problème, c'est qu'on est obligé de s'investir beaucoup, maire et adjoint et conseil municipal, pour organiser toutes choses. Ici, c'est pareil, ça s'organise. On n'a pas de services derrière qui sont là pour organiser les choses. On organise tout nous-mêmes. Et c'est aussi l'occasion de partager sur l'agriculture, parce que je pense que là, le motif, c'est vraiment l'agriculture. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec tout ce qu'on entend sur les radios et sur les chaînes télé, que l'agriculture, on est entre nous des pollueurs, on ne sait pas soigner les animaux, il y a plein de choses. Alors que c'est de la communication, peut-être c'est notre faute également aussi, hein, qu'on n'a pas su communiquer à un moment donné. Et là, c'est vraiment l'occasion de partager souvent ces moments-là précis pour partager avec la population et puis expliquer nos métiers. Quoi. C'est surtout ça qu'il faut expliquer nos métiers, parce que tout le monde croit connaître ce qu'on fait, mais en fin de compte, tout le monde, on vit côte à côte. Quoi. Et c'est le gros danger de la société actuelle. Et je pense que dans l'agriculture, si on veut qu'elle se développe, et je pense qu'il y a encore plein d'avenir dans l'agriculture. Moi, je suis agriculteur, mais puis j'ai mon fils qui est derrière moi maintenant. Je pense qu'on a un avenir, on a beaucoup d'avenir dans l'agriculture, à condition que tout le monde cohabite ensemble. Parce qu'il faut que les urbains qui arrivent maintenant chez nous, il faut qu'on leur explique comment ça marche l'agriculture. Quoi. Et je pense que dans le domaine actuel, on a plus de deux mondes qui s'affrontent que deux mondes qui s'approchent les uns aux autres pour pouvoir vivre ensemble. Parce que le but, c'est quand même de vivre ensemble. Quoi. Alors voilà, là, je voudrais vous présenter rapidement comme la petite commune, comme on a l'occasion de passer sur YouTube Ousset. Regardez Ousset, il y a Ousset dans la Vienne. Bah, il dit Ousset, je sais pas. Ah oui, j'ai fait, c'est mon ami à 200 mètres. Oui, bah, parce qu'on fait Ousset sur Google, on fait Ousset. Bah justement, on demande. Ousset. Alors Ousset, c'est une petite commune de 500 habitants qui est, bon, vous voyez, il y a pas mal de travaux qui ont été faits au point de vue rénovation pour aménagement de bourg. On est une commune rurale quand même, hein. Je suis agriculteur et je suis né ici, moi j'y tiens quoi. C'est quand même une commune rurale qui vit quand même grâce à la terre. Quoi. Et notre métier, il faut qu'on le partage. On essaie de le partager avec l'école, parce qu'on a une école aussi qui est de 4 tiers avec 80 enfants à peu près, qui viennent de tout milieu, de tout horizon. Et justement là on essaie de partager, d'avoir un partenariat entre l'agriculture et cette école-là, quoi, pour justement arriver à faire émerger quelque chose des élèves qui sont là, des petits, c'est l'avenir de notre société. Après ça, on a des atouts, on a beaucoup d'atouts aussi également sur Ousset, mais je laisserai la parole là, peut-être à mon adjoint qui s'occupe du tourisme et de la culture. Ici, on a la vallée de la Mayenne, qui est notre atout fort, on a 80 km de halage. Il faut y faire en vélo, c'est avec un paysage, que je suis un peu chauvin, mais un paysage qu'on ne trouve pas ailleurs. Non, ils sont tous chauvins, c'est normal. Ils sont tous passés, c'est la commune la plus belle. Mais non, c'est là, on n'est pas la commune la plus belle, mais on est une commune où il fait bon vivre quelque part. Quoi. Bon voilà, maintenant moi je vais m'arrêter là. Christine, si tu veux parler un peu du tourisme, du secteur et de la culture qu'on a sur le secteur, parce qu'on a un secteur très riche essentiellement au point de vue culturel, au point de vue touristique. Et la Mayenne, c'est un département qu'on ne connaît pas. Je ne savais pas que ça existait, moi non plus. Ouais. Ouais. J'ai regardé dans l'annuaire. Ouais. T'as regardé dans l'annuaire pour la Mayenne. C'est sûr. C'est pour ça que ça va tout. Alors voilà, on a l'occasion qu'on parle de la Mayenne et de Ousset, alors on va en profiter quand même. Quoi. Voilà, merci à vous. Merci monsieur le maire. Merci. Bravo monsieur. Meilleur discours de moi. Ah ouais. Allez Christine, on vous met pas la pression, hein, mais vous parlez devant le monde et tout, bon voilà. Bonjour. Après ça fait drôle hein, de parler devant tout le monde. C'est les copains, formidable. Juste quelques mots pour... Après, il y a les gens qui sont présents ici connaissent le département pour la plupart.
Donc effectivement, c'est un petit département, la Mayenne, puisqu'on est à peu près 300 000 habitants, donc c'est tout petit, mais c'est très dynamique. Donc à la fois, c'est un territoire agricole, mais aussi, donc il y a l'agriculture, mais il y a aussi beaucoup la culture. Donc il y a un gros travail de fait depuis de très nombreuses années sur le département pour avoir un maillage culturel. Donc c'est la campagne, mais il s'y passe plein de choses. Donc on a beaucoup de structures culturelles, donc des théâtres, des festivals, donc c'est très très dynamique. Il y a aussi un gros tissu associatif. Donc voilà, on peut profiter des atouts de la campagne sans être enterré au milieu de rien. Il se passe plein de choses, il y a plein d'événements. Et puis également le tourisme, alors effectivement un tourisme plutôt côté nature, côté slow, le rythme rural, quoi. Contemplatif, dire, hein. Mais oui, mais on profite quoi, on prend le temps. Et donc très axé sur la rivière, donc aussi bien par le chemin de halage qui est relié à la vélo française, donc on peut arriver des pays du Nord jusque chez nous, tout ça en vélo sur le long de cours d'eau. Et en tracteur aussi, ça marche, bien évidemment. Pas sur le chemin de halage, hein, ça ferait quand même un peu de dégâts. Et puis il y a aussi beaucoup de tourisme fluvial. Voilà. Merci. Merci. Je suppose que la prochaine phase, c'est un peu bavard des fois. Ah oui, c'est pas pire du tout. Ça va peut-être de partager justement, peut-être vous présenter d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, mais vous avez fait la bonne transition. Bon. Vous avez été avec nous sur le trajet. Oui. Non, ben voilà, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc je le redis, en fait, on avait un cinquième agri-youtubeur que vous connaissez entre autres, qui s'appelle Jean-Loup et Arel Deslunel, agriculteur dans l'Allier. Il est venu avec nous au début, nous a quitté quelques jours et nous retrouve demain pour des raisons de travail. Voilà, lui bosse, nous part en vacances et lui bosse. Donc voilà, c'est le problème des ETA quand il faut y aller. Voilà. Et Étienne qui nous retrouve tout à l'heure, il n'était pas très loin, il nous apporte les rillettes. Sachant que je crois que normalement on doit avoir en plus des agriculteurs qui nous expliqueront la mayonnaise. Ils veulent lever la main ? Vous avez apporté des baguettes ou pas ? Ouais. Du couteau ? Un couteau ? Couteau ou pas couteau ? On attend Étienne pour les rillettes. Ouais. Les 3 P, pain, pâté, pinard. Voilà. Allez, on a les planches, là c'est bon. Voilà, on va peut-être présenter. Alors on a un petit jeune qui vient d'arriver, stagiaire là, David. Tu peux... J'aime bien le ficeler direct. Ça met ambiance. Ça te met en bouche là. Bonjour à tous, merci monsieur le maire, merci madame l'adjointe de nous accueillir. Donc David Forge, agriculteur céréalier en Indre-et-Loire, près de Tours. Et ça fait plusieurs années que j'ai investi les réseaux sociaux pour expliquer le métier. Le métier est mon métier, mon quotidien, en témoigner objectivement pour raconter chaque semaine ce qui s'y passe sur la ferme. J'ai commencé avant Alexandre cette initiative, je ne suis pas le stagiaire. Il est susceptible. Il m'a emboîté le pas. Et non, c'est passionnant parce que c'est vraiment attendu ce qu'on raconte dans nos vidéos. Le métier passionne, voilà, les gens se questionnent parce que comment est construit leur assiette chaque jour. On rencontre 3 agriculteurs, voilà, il y a 3 repas. Donc c'est important d'expliquer d'où viennent les choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé d'agriculture, que les réseaux n'ont jamais autant proposé de sujets agricoles pour la population qui est déconnectée de ce métier-là. Et aujourd'hui, voilà, ça fait plusieurs années qu'on a une chaîne YouTube, et là, le projet Tracteur Tour en est un élément supplémentaire. Voilà, faire parler de l'agriculture et puis aujourd'hui des communes que l'on rencontre. Et donc voilà. Rendez-vous mardi 7h30. Alors moi c'est Gaël Blard, je suis agriculteur près de Valence, dans la Drôme, donc je suis à l'opposé de vous. Enfin, je ne sais même pas dans quel sens. Oui, le sud. Le sud, il vient de là. Donc c'est à peu près par là. Donc je suis par là-bas. Et comme il n'y a pas de clocher sur l'église et qu'il manque, ouais, voilà. Hein. Oui, la pointe. Donc ouais, c'est vrai que ça fait quelques kilomètres et ça permet de voir des nouveaux terroirs, des nouveaux paysages, ce qui est super génial. Tu dis, ça peut être que Charles, ça me casse couille. D'accord. Donc j'ai rapidement essayé de développer un petit peu l'exploitation avec de l'ail, des oignons et des plantes aromatiques et je me suis trouvé face à une problématique, c'est que j'ai fait des cultures qui ne sont pas forcément présentes autour de chez moi,
Donc j'ai cherché beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux pour m'aider en fait, entre autres. Et donc petit à petit, une fois que j'ai commencé à gérer mon truc, j'ai voulu moi aussi rendre la monnaie de la pièce et partager mon expérience sur les réseaux. Alors, oui, ben bah, Alex, agriculteur dans le département de la Vienne, Charles. Et le... Merde, je fais de con, je sais plus. Oui, donc je suis... ouais, je suis agriculteur, oui. Céréalier, cinquième année, j'ai repris la ferme de mon père qui est parti en retraite. Je suis sur une rotation classique de céréales et d'oléagineux. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai commencé les vidéos en même temps que mon installation. Et parce que j'en avais assez d'entendre à la télé de parler d'agriculture, mais que ce soit jamais des agriculteurs qui en parlent surtout. Et puis voilà, la communication, qu'est-ce qui se passe en vrai dans les fermes, dans ma ferme, parce que moi je fais voir ce que j'ai chez moi, hein, je ne représente pas les autres. Et donc voilà, la com positive. Et puis voilà, rétablir un peu la vérité entre guillemets de ce qui peut se passer sur une ferme française. Voilà. Putain, c'est de plus en plus rapide. C'est de plus en plus rapide, ouais. Mais t'as vu, c'est court, précis et tout, je fais pas chier je fais pas chier les gens, moi. Ouais, j'ai compris. C'était chiant, Gaël, lui, en fait. C'est resté, ça. Je comprends. C'était chiant, oui, c'est logique. Salut la star. Ça va? Ouais, toi? Bien. Ah, t'es... Il y a autant de monde, hein. J'amène les rillettes. Oh putain, on va les faire. Ouais, vas-y. Produit de son côté ses mélanges qui lui correspondent, qui correspondent à son terroir, etc. Et ensuite, après, c'est une décision qui est prise avec les meuniers après, et les plongers, après analyse. Voir quelles variétés vont être sélectionnées. Ouais. Et ensuite, tout ça a été mélangé, étrié pour être stocké et ça part au fur et à mesure de l'année dans les meuneries et les boulangers. D'accord. Et l'agriculteur qui s'engage dans cette filière, il a une visibilité dans le temps, dans l'année qui vient, dans un peu plus, comment vous... Alors, aujourd'hui, on comment vous engagez création. Les... C'est la création. C'est la création, ça fait oui. C'est un peu comme nous. Voilà, c'est notre première année, on vient de faire notre première année de commercialisation de la mayonnaise. Donc on est à la deuxième année culturelle de mise en place. Comme je sais très bien, oui, c'est des cycles longs, voilà. Voilà, c'est un long. Ouais, donc forcément, d'accord. Ouais. La minoterie, elle est... Donc il y a trois minoteries qui sont partenaires. Il y a trois minoteries différentes. Une dans le sud du département et deux dans le nord. J'ai mis 35 minutes. Je suis en live. Place. C'est bien, il place. J'ai toujours rêvé de faire ça. Faites une ola pour moi. Oh, commencez par là. Oh. Allez. Allez, on va là. Oui. Vous voyez bien? Ouais, je pense, ouais. Hop là. Ouais, bonjour à tous. Donc vous parlez fort. Plus fort. Moi je suis agriculteur sur à côté là, sur la commune de Housset. Il est agriculteur à Housset. Ça va être pas mal. Et donc, j'ai créé une... On est en live, n'aie pas peur. Il y a 10 500 personnes. J'ai créé une société qui est basée à Nuit-et-sur-Vicoin en Mayenne.
Et donc, cette société, aujourd'hui, on regroupe à peu près 100 agriculteurs, producteurs en bio. Et on distribue aujourd'hui sous deux marques. Une marque qui est ici, donc Fier de nous, qui représente bien le monde agricole, je pense. Fier de nous, vous êtes tous fiers de vous. On est fiers de toi, ouais. Et donc cette marque, elle va nous servir aujourd'hui à distribuer une quinzaine de produits, comme des graines de courge. On est un des bassins les plus gros producteurs de graines de courge aujourd'hui. Du quinoa. Aujourd'hui, c'est à peu près la grosse partie du quinoa français est produit dans notre région, en bio. Et tout un tas d'autres graines que l'on va travailler, comme du sarrasin, que l'on va décortiquer, comme du tournesol, que l'on va décortiquer, des graines de chanvre, que l'on va après pouvoir toaster. Et donc, c'est tout un panel de graines qui sont produites sur le territoire. Bravo. Bravo à... À vos filières, à Fier de nous et la Mayennette. Bravo. Bravo. N'importe quoi. Allez, salut. Oh putain. Alors là, on va s'arrêter chez Raphaël. C'est un abonné. Et en fait, comme on passe juste devant chez lui et qu'on a un tout petit peu de temps avant d'arriver à notre prochaine étape, on va lui faire un petit coucou. Ça reste exceptionnel, mais aujourd'hui on a le temps, donc on le fait. Hein? Eh oui. Ouais. Ouais, ben les gars, les connais par vidéo, toujours. Ça vous fait quoi? Bah. Je vous attendais surtout pour là. Je pense que c'est le monsieur là qu'il faut remercier. C'est. Et il y en a un qui a du flair et qui savait qu'on allait passer devant. Oui, c'est ça. Oui, j'avais regardé partout. Bon, on est venu avec notre équipe. On était ouais. Sur la route. Ouais, hein. Bah oui. Et on verra bien. Bon, on est venu avec l'équipement et l'équipement vidéo. Ouais, c'est ce que je disais. Vous serez OK c'est avec, bon, bon, avec tout ça. OK. C'est toujours, on a toujours un petit peu de temps avant là. Ouais. Oui, bah, j'avais vu que vous faisiez des petites pauses avant les grandes étapes. Oh, le parcours, ça se passe bien. Salut. Ouais. Super, super. Salut. Non. Ah, Alexandre, allez, sort. C'est grave. Oui. Ouais. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Soleil. Oui, bah oui, ça fait bien. Vous avez une SAU de combien? 290 hectares. Vous, actif, vous êtes actif comme actif Cette ouais. Depuis bah, mon père, c'est bien. Moi j'ai arrêté de m'appeler. C'est ça, ouais. C'est un petit peu partout pareil. Ouais. 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 Qu'on voit dans les vidéos, c'est. Ouais. C'est toujours le. Voilà. Ah, puis le français, oui, on n'est pas toujours sûr de sa choix. Il est mieux la bécane que moi. La batteuse par exemple. Ouais, bah, oui. Toujours, mais... Donc là, on s'est rendu dans le bourg de Benet. On est resté un quart d'heure, 20 minutes, on a fait connaissance avec les villageois et nous avons rapidement repris la route, mais avec eux, derrière le convoi, on leur a donné rendez-vous dans un verger. Donc ça, je pense que ce sont des cerisiers. On a déjà des abonnés qui sont arrivés. Donc bah déjà merci de nous recevoir les gars. Venez avec moi là d'être trop intéressé donc Vous aviez du monde dans le bourg quand même pour votre temps quand même. Oui, oui, les abonnés, tout ça. Voilà, désolé, mais bon voilà, en fait pour le moment on est passé, vous avez pu suivre un peu notre périple.
venez rapprochez-vous. Hein. Vous pouvez vous rapprocher. Que, mais... Il y a un gros trou, là. Pour le coup. Là. Parce qu'après, on va se jeter. Alors moi, vous allez. Par contre. C'est pareil, ça se réglera ce soir. Aïe, aïe, aïe. Pas de problème. Voilà, donc on en est à notre dernier jour. Ouais. Donc de tout fin de tournée. On a commencé jeudi matin à Châteauroux dans le Berry. Et donc l'intérêt du tracteur tour, c'était vraiment d'aller. Et d'une, de vous retrouver tous, parce qu'il n'y a plus trop de salons, il n'y a plus rien. Donc on est devant la caméra et on aime bien rencontrer les gens qui nous suivent. De faire découvrir aussi d'autres agricultures. Donc c'est super qu'on soit aujourd'hui dans une ferme laitière. Et donc l'intérêt justement, voilà, c'est de découvrir d'autres agricultures. Donc c'est un enrichissement personnel pour nous, mais aussi de faire découvrir. On fait des lives et tout, mais on aura une petite série de films pour présenter un petit peu cette semaine. En fait, alors comment vous vendez votre marchandise? Pour les fruits, donc on travaille avec des coopératives, la SCAFLA et puis les vergers d'Anjou, c'est ça. Et autrement, on fait un petit peu de vente directe, quoi. Tout est géré comme ça. Pour tout ce qui est céréales, c'est Terena, c'est APL, justement. Et tout ce qui est maïs semences, c'est Terena. Quelle est l'histoire de la structure? Donc en fait, les parents se sont installés ici en 73. Tes parents? Non, pas mes parents. Les parents. Je suis salarié. Ouais. Je suis que salarié. Donc les, oui, les parents les de, parents de la Hervé Bougiot, le patron de l'exploitation, qui se sont installés en 73. Et eux se sont installés en 98, tous les deux. Mm-hmm. Tous les deux. Donc au fur et à mesure des années, donc ça a évolué pour arriver aujourd'hui à 4 sociétés. Quatre sociétés, donc il y a 2-3 SCEA, une ETA, la prestation de plantation et d'enfonce pieux, et une SARL pour la vente de machines agricoles et de production d'énergie. Vente de machines agricoles? Planteuse. Et train de cueillette, comme on a derrière. Des trains de cailloux? De cueillette. Ah, de cueillette. ça fait une semaine la qui s'adore. Hein. Combien de personnes emploient la structure? Toutes entreprises confondues. Donc, sur l'arboriculture, ils sont 7 permanents. Nous, on est 3 en grande culture, enfin sur les céréales, quoi. Ouais. Et autrement, à l'année, ça représente environ 20 personnes à plein temps. Parce qu'à la cueillette, en fait, on embauche environ 80 personnes. Ah oui. Au pic, et autrement, on arrive à prendre jusqu'à 70 jeunes pour faire la castration de maïs. Ah oui. Et que les jeunes c'est quand je dis jeunes, c'est parce que c'est souvent des écoliers qui viennent faire ça. Est-ce que c'est compliqué de trouver cette main-d'œuvre en grande quantité quand même? Très. Ouais. C'est compliqué à ce qu'ils bossent ou compliqué à trouver? On va dire qu'il y a les deux. Non, on va dire qu'il y a les deux, mais bon, c'est vrai que la cueillette des pommes, ça démarre toujours bien parce qu'il fait souvent beau, mais ça finit en général sur le mois de décembre et il fait beaucoup moins beau. Donc quand il fait du moins le matin, il faut être courageux quand même pour aller ramasser des pommes. Faut dire ce qu'il en est. Hein. Donc c'est vraiment pas facile. Quoi. Tout ça, c'est. Faut gérer le personnel et c'est vraiment pas évident. Gaël, tu dois être au courant. Moi, j'ai la chance chez moi d'avoir des groupements d'employeurs. Ouais. J'en ai deux autour de chez moi et c'est assez souple. Là, j'ai appelé vendredi. Je dis lundi, est-ce qu'on peut avoir du monde? 15-20 personnes. Ben, ce matin, j'avais 15 personnes à la ferme. Ouais. 15 ou je crois qu'ils sont 20. Et t'as pas de problème de personnes qui viennent pour quelques jours et après, non, parce que c'est des gars, alors 99% pas des Français, mais qui sont là pour 6 mois, 8 mois et ils font toutes les saisons. Alors en plus, cette année, tout ce qui est vigne ou fruitier, ça a gelé chez nous. Oui. Donc on a du mal. Bah oui, ils sont dispo. Je pense qu'ils vont pas tous rester d'ailleurs. Il y aura plus de monde que de travail. Ok. En cette période de l'année, quelles sont les tâches là, tout, à peu près. Donc là, en ce moment, sur les vergers, donc, bah, c'est la protection contre la tavelure, parce que ça, c'est le gros problème sur la pomme. Okay. Et autrement, nous, là, en ce moment, on est en pleine période de semis de maïs semences. Ah oui. Parce que le maïs semences, bon, bah, c'est des semis en 3, voire 4 fois. Mm-hmm. On ne sème pas tout en une fois. Oui, dans la durée, vous laissez quel laps de temps entre Suivant ce que, ce que la coopérative nous fournit comme indication.
Là, c'est du boulot. C'est du boulot. Du début jusqu'à... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bah, puis après, il y a aussi les mâles. Les mâles sont séparés. Oui, bah, ouais. Pareil, oui, je te dis, c'est des, semis entre 3 et 4 passages. Ça dépend des variétés. Vous faites aussi de la castration mécanique? Oui. Ça, vous le faites vous en prestation ou vous le faites faire? Non, on le fait nous-mêmes. On a 2 castreuses. Ah, c'est que pour vous, vous ne faites pas en prestation? Non, du tout. Bah non, parce que ça représente à peu près 80 hectares. Okay. Donc ça fait déjà du boulot. Quoi. Okay. Et récolte? Récolte, par contre, on fait en prestation. Tout ce qui est ramassage et épi, après, nous, on le fait tout à la main, ici, sur la machine. Parce qu'après, en fait, le maïs, une fois récolté, donc il est récolté en épi, avec le bourgoin. Et après, nous, on est obligé de le repasser sur une table pour enlever toutes les feuilles qui traînent. Tous les épis, tout, la totalité. 80 hectares à repasser comme ça. Okay. Avant de le mettre en ventilation ou... Avant de le mettre en ventilation. Sinon, il sèche mal. Ouais. Où est la moissonneuse? Il y a eu, mais il n'y a plus. Donc ce n'est pas vous. La prestation. Oui, on fait faire en prestation parce qu'en fait, on avait. Sur la période, c'était très compliqué avec le maïs semence et la récolte de cassis. En fait, on se retrouvait un peu limite et puis l'irrigation aussi en même temps. Parce qu'en fait, on tourne avec grosso modo 12 enrouleurs. Donc on a un gars l'été qui a plein temps. C'est Arnaud qui s'en occupe les 3/4 du temps. Toujours propre, Arnaud. Sacré boulot. Ouais, sacré boulot. En fait, il est pratiquement sur 2 mois de l'année. On peut pas dire 2 personnes vraiment tout le temps, mais t'en as au moins une qui est en permanence, quoi. Vraiment une en permanence. C'est le problème des 35 heures. Ah ouais, bah là. Quand il y a des changements la nuit, tu y vas la nuit ou ça, ça arrive? Non, non, en fait, on s'arrange pour faire. Des fois 3 voire 4 pauses par enrouleur dans la journée. D'accord. C'est-à-dire qu'on est... journée, ouais, toutes les petites pauses et la nuit on s'arrange pour faire des grandes. Ouais. Des très grandes pauses. Bah Gaël, tiens. On était devant là pour t'acheter. Moi c'est Gaël Blard. Vous entendez à l'arrière ou quoi? Eh ben vous. Là, on est sur une planteuse à pommiers, hein, donc, qui consiste à mettre en terre des plants de pommiers. Chez moi, j'ai vu des plantations d'asperges. Alex, jamais des plantations de pommiers. C'est combien de coups de plants à l'hectare? À l'hectare, ça dépend de l'intérêt. Là, avec, la machine, avec une machine comme ça, on peut faire jusqu'à 1200 plants par jour plantés. 1200 plants et avec la deux rangs on peut monter jusqu'à 1800 plants jour. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ouais, quand il y a des plantes dessus, ils font un sacré de balle. Ah bah les 145 et encore on est obligé de couper un distributeur parce que c'est bon.